Alors, est-ce que tu sais qu'est-ce qui a deux aiguilles mais qui ne pique pas? Non. Une montre. Ça vous est jamais arrivé de vous poser la question? Combien de fois nos sages nous ont instauré de remercier Hachem tout au long de la journée? À peine levé, ils nous ont instauré de dire Modéani. Tu remercieras Hachem de t'avoir rendu ton âme. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi 100 bénédictions. Avant manger, après manger, on devrait remercier Hachem pour tous ses bienfaits. En sortant des toilettes, les 3 prières par jour. Le matin, l'après-midi, le soir, qui contiennent chacune 18 bénédictions. Et j'en passe. Est-ce qu'on pourrait comprendre par là, Chas v'Shalom, que Hachem attend nos remerciements? Que Hachem a besoin de nos remerciements? Ça n'a pas la tête. Hachem n'attend qu'une seule chose, que l'on prenne conscience de tout le bonheur qui nous entoure du matin au soir. Et nous dira Rabbi Nathan de Breslav encore plus que ça. Celui qui n'est pas habitué à prendre du temps pour remercier Hachem n'aura même plus le souffle de s'adresser à lui. Pour la simple et bonne raison, il n'est pas conscient que ses prières sont exaucées. Il n'a pas le temps de dire merci. À bon entendeur, on prendra 5 minutes pour retrouver le bonheur. Beit gadal, beit gadash, shemera ba, be'alma divera.